Vous le savez tous, dans une semaine, la saison 4, chapitre 3 de Fortnite va arriver directement sur le jeu. On aura un événement juste avant, on aura un nouveau pass de combat, on aura une nouvelle map, on aura beaucoup de choses de nouvelles. C'est le week-end prochain, donc soyez à l'affût. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce pass de combat saison 4 qui va arriver, de la map, des nouveaux skins, de la boutique, de tout ce qu'il y aura sur cette saison 4. Vous allez voir, il y a des pépites. Et vous n'allez pas être déçu, j'en suis sûr, même moi, quand je vais lancer le jeu, ça devrait être incroyable, je l'espère aussi. Bref, tout ça dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Allez, c'est parti. Ça fait 2 semaines, c'est la rentrée, je fais pas beaucoup de vidéos, mais on revient en force parce qu'il y a la nouvelle saison. Avant de débuter la vidéo, comme vous le savez, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification. Si tu actives la cloche, tu pourras passer à l'écran et voir ton pseudo de ta chaîne YouTube à l'écran. Donc active la cloche des notifications quand tu t'abonnes et tu passeras à l'écran, comme ça, ça te remercie et ça me remercie aussi que tu t'es abonné. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à mettre vos pseudos Fortnite en commentaire pour vous ajouter sur le jeu si vous voulez jouer avec moi, etc. ou pour participer à des prochains concours. Donc mets ton pseudo épique dans les commentaires, je t'ajouterai rapidement. Donc, alors, on va commencer par parler le pass de combat. C'est surtout le principal sujet qu'on va parler dans cette vidéo. Ça sera le pass de combat de la saison 4. Comme vous le savez pourtant, je pense que tout le monde le sait, la saison 4 va porter sur les skins de Marvel. Fortnite font beaucoup de collabs avec Marvel et cette fois-ci ils vont créer carrément pratiquement 90% de passes de combat avec des skins Marvel. Donc les skins Marvel, du coup, ça nous facilite la tâche pour savoir quel skin il pourrait y avoir sur le jeu, vu que du coup ça sera des skins de films Marvel. Donc t'as juste à regarder les films que Marvel ont sortis et tu sais les skins à peu près. Donc on a eu des coups des leaks depuis au moins une semaine sur les skins. Sur cette saison 4, on pourrait avoir le skin Superman 2099, donc ça pourrait être un nouveau Superman mais recustom. La Vision, Will, Catelyn, Vendetta et Jade Shinobi. Bon, je ne sais pas trop prononcer les prénoms, mais ça pourrait être un des principaux skins. Je vais vous montrer plusieurs choses que vous pourrez avoir avec ces skins, parce que ça sera des skins, mais aussi des boss sur la map. C'est-à-dire que tous ces boss-là auront un lieu spécial dans la map. Je vous montre une carte, en fait. C'est tous les nouveaux lieux qu'il y aura sur la map. Et sur chaque lieu, vous aurez un skin avec son cosmétique spécialement créé pour lui. Je vous en montre plusieurs à l'écran. Ça veut dire que t'en auras un, il aura peut-être un super pouvoir. L'autre, il aura une arme super cheat. Et du coup tous ces boss seront sur la map un peu éparpillés partout. Vous aurez juste à le tuer pour avoir son cosmétique, son arme, son super pouvoir. Et même ces skins du coup vont sortir aussi dans le pass de combat de cette saison. On pourrait avoir un nouveau spray qui heal. On est en ce moment sur Fortnite, on a un spray, je sais pas si vous voyez, c'est un spray que quand tu tires sur toi ou sur les autres, ça te donne des PV mais juste du soin. Et bah là ça pourrait être carrément du heal. Donc on a le soin et après il nous manquerait le heal. Donc on pourrait avoir un spray pour le heal directement dans cette saison 4. Alors j'ai changé un peu de pièce entre les deux, je sais pas si ça se verra avec la voix, mais bref, on va continuer. On pourrait avoir un truc très important. Alors là, je ne savais pas pourquoi Fortnite ont fait ça, mais bon, ça pourrait être du lourd. On a eu Miaouz Clay déjà il y a longtemps sur la map et comme skin. La femme de Miaouz Clay pourrait arriver directement dans le jeu et dans le pass de combat. C'est-à-dire qu'on a eu Miaouz Clay avec son arme mythique, et bah là on pourrait avoir la femme de Miaouz Clay encore une nouvelle fois avec son arme mythique et aussi qui pourrait sortir dans le pass de combat saison 4 de Fortnite. Donc ça pourrait être plutôt pas mal après d'avoir eu Miaouz Clay, la femme de Miaouz Clay. Ça serait vraiment super. On va parler maintenant du skin secret, parce que dans chaque saison, vous le savez, il y a un skin secret sur Fortnite. Et bien là, à cette saison, ça pourrait être Hulk. Je vous montre une image, on ne voit pas le skin réellement parce qu'on ne connaît pas le skin, mais la forme du skin ressemble à Hulk. Donc le skin secret pourrait être Hulk sur le jeu. Ça serait vraiment incroyable. Et pourquoi Hulk? Je n'en sais rien du tout et me demandez pas. En tout cas, c'est un skin Marvel, donc c'est fort probable que ça soit le skin Hulk en tant que skin secret dans la prochaine saison. J'espère que je vous aurai dit assez d'informations. On se retrouve bien sûr à la nouvelle saison dans une semaine ou un peu avant si je refais des vidéos, mais en tout cas pour reparler de la prochaine saison dans une semaine. Bref, portez-vous tous très bien, bon week-end pour ceux qui le sont ou bonne journée. Allez, ciao.